Calme, presque ennuyeuse, cette matinée de vote dans ce bureau du 2e arrondissement de Paris. Pourtant, pour ce deuxième tour de scrutin, les électeurs se sont davantage mobilisés que dimanche dernier. Vers midi, le taux de participation a été de 18,57% contre 16,55% au second tour des régionales de 2004 et 16,07% dimanche dernier. Les appels à la mobilisation ont, semble-t-il, été entendus. Je suis citoyen jusqu'au bout. On a gagné le droit de vote en 1789, donc c'était inadmissible que les gens ne votent pas. Si jamais l'abstention se maintient et se confirme dans les élections à venir, ça va pas arranger les choses en termes d'offres électorales, en termes de solutions, en termes de programmes, enfin bon. Des enjeux qui, au premier tour, ont été favorables à la gauche, arrivés en tête. Le Parti socialiste, allié aux écologistes, va tenter de remporter les 22 régions de métropole, une situation qui n'a pas passionné une partie des électeurs. Mes enfants, non, ils n'ont pas voulu venir voter. Parce qu'ils se disent pas concernés. Malgré une participation en hausse par rapport au premier tour, les abstentionnistes pourraient bien à nouveau être majoritaires ce soir à la fermeture des bureaux.